quand même un truc très étonnant, pourquoi Virenque a gagné Paris-Tours. Ah, je vous répondrai, il n'y a que Virenque pour gagner Paris-Tours. Il a toujours fait des jambes comme ça, mais comme celle-là. Ah ouais, celle-là, Paris-Tours, c'est pas pour lui cette course. Définitivement ami du paradoxe, le petit roi de la montagne va signer son retour dans les plaines désespérément plates du Val-de-Loire. Après sa suspension, notre héros malheureux a retrouvé un CDD de 3 mois dans l'équipe dirigée par Patrick Lefebvre. J'ai eu la chance, une fois de plus, de rencontrer ce Patrick Lefebvre qui m'a tendu la main, qui m'a donné un vélo et un maillot et qui m'a dit ben, « Montre-moi qu'est-ce que tu sais faire. » J'avais pas de budget et j'ai dit écoute, même si je dois sortir un petit peu d'argent de ma propre poche, je veux prendre le risque. Si je loupais mes 3 mois, c'était fini quoi. Après 225 km avec Jackie Durand, Richard Virenque profite d'une montée ridicule pour laisser son compagnon d'échapper à son infortune. Pour être le seul dans les 8 derniers kilomètres à résister au peloton. Le peloton, cette grosse bête informe qui n'aime rien d'autre que dévorer les coureurs isolés. Là, ce jour-là, il y avait un caméraman, vous voyez les images, il y a un caméraman qui est derrière, et je peux vous dire que ce caméraman, voilà, qui me filme, il m'a hurlé dessus, il m'a encouragé. Et ça, il m'a fait un bien dans ce final où j'avais mal de partout, il fallait que j'accélère et tout. Le grimpeur qui gagne la classique la plus plate, et là, ça a été pour moi. Voilà, je rebondissais. Hein. Je rebondissais après tout ce que j'avais vécu et c'est d'émotion quoi. C'est un degré plus de par rapport à 99 ou à 2000. Là, le truc, c'est que c'est de l'émotion, mais c'est plus une émotion avec de la tristesse et de la douleur et tout ça que je ressens. Quelque chose d'inoubliable. Il nous a pris au coup tout le monde, là, émotionnellement. Après Paris-Tours, quand je rentre chez moi, là c'est bon, parce que c'est respect. Et respect, pour moi, c'est un mot qui porte totalement son... On me respectait jusqu'en 97. J'étais adulé, j'étais plus beau, j'étais plus fort. Et après, on m'a plus respecté. Et après, 2001, on me respecte. Et là, ça c'était bon. Ça c'était... Aujourd'hui, partir avec le respect, c'est ça le plus fort.